Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu pleures. Alizé m'a mis à la face. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que lui as-tu fait? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Où es-tu? Elle n'a quand même pas le droit de te faire cela. Tu as dû lui faire quelque chose de vraiment grave. Depuis le monde de nos parents, tu ne peux pas imaginer l'enfer qu'elle m'a fait aujourd'hui. Jusqu'à ce matin. Enfin, je suis perdue. Je suis foutue. Écoute, tout finira par s'arranger. Tu restes ici ce soir. Je vais en parler à Willy, d'accord? Je pense qu'il va accepter. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas faim? Non, je peux rien avaler. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Viens, on va préparer un bon spaghetti. Christy est une femme formidable. Il faut avoir beaucoup de courage pour en donner. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse détester sa soeur de cette façon. Tu sais, Patricia n'a jamais pu supporter que leur père ait préféré Christy. Ça, elle ne l'a jamais caché. En parlant du loup. Patricia, pas honte, on a fini tout, on a la vie d'afficher la ménage tout seul. Vous parlez trop fort, ma chère. Franchement, ça m'énerve. Où vas-tu? Je vais aller lui parler. Je viens avec toi. Non, attends-moi. Bonjour. Ah, bonjour. Flore, comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, tu connais. Oui, je le connais. Tu as beaucoup changé. Merci. Tu es seule? Peux-tu m'accorder une minute? Assieds-toi. En privé, s'il te plaît. Laisse-moi te dire, cocotte, tu ne tarderas pas à connaître le vrai visage de Christy. Cette garce est une menteuse de première classe. Et si j'ai dû la mettre à la porte contre le mal, tous les mensonges qu'elle t'a racontés, c'est elle qui voulait me piquer mon mec. Mais Patricia, Christy est ta petite sœur. Tu ne peux pas juste lui claquer la porte au nez comme une indigente. Désolée. Ne t'inquiète pas. Ouais, Flo. Tu permets que... Tu voudrais que je saute? Tu pourrais peut-être aller dans la cuisine? Aurais-tu peur de moi? Flore, maintenant c'est ton problème. Tu vois, j'ai passé toute ma vie à m'occuper de Christy. Elle était la princesse et moi la nounou. Elle avait tout. Tout le monde était à ses pieds. N'ai-je pas droit aussi un peu de bonheur dans la vie? Non. Pour la fête de Jérôme, t'as rien pour ça. Oui? Devinez qui est-ce que je rencontre l'autre jour. Qui est-ce? Willy. N'a beaucoup moins d'expérience. Je suis venu gâter ça avec... Oui, Lola. C'est toi t'as dit pendant quoi? Toi t'as dit. C'est une amie à toi, hein? Oui, c'est une amie. Fille, après ma gueule, petit. Pour qu'il fasse. Parce qu'on parle de ex, là, j'ai Willy.
Pourquoi elle m'a violé Christy? Mati, il va arriver. Bamba! Non! Non! Non, je t'ai dit! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Merde! Tu aurais dû m'écouter. Mon Dieu, tais-toi, Lucas. Je me peux dire que tu n'es qu'une sale pute. Moi, j'y possède que parce que ça te haïssait. C'est pas parce que tu connais moi. Sors de chez moi. Dehors. Excuse-moi, tu pourrais m'accorder quelques minutes, s'il te plaît. À quel sujet? C'est qui se tient? Oui, c'est... Monsieur, je suis quelqu'un qui n'est pas digne de serrer la main à votre femme. Christy, si je suis en face de toi, c'est à propos de ta soeur. Patricia a des problèmes? Je lève mon verre à une personne formidable, Christy. Je n'ai pas été la meilleure des sœurs que tu pouvais avoir. Je t'ai fait du mal et j'en prenais plaisir. Alors, au fond de moi, oui, j'ai voulu te ressembler. Être aussi bonne, si différente comme tu es, et a toujours été. Il a fallu que je perde l'usage de mes jambes pour réaliser la chance que j'ai eue d'avoir une sœur comme toi, Christy.